Salut les petits sagouins marins, les petites sagouines marines, ici StarCat votre hôte et nous nous retrouvons sur World of Warships pour une vidéo un peu hors série hein, qui s'appellera d'ailleurs l'aventure des boulets roses. C'est une aventure spéciale, c'est-à-dire que moi, StarCat et Celticos, le capitaine Celticos qui a déjà fait un live avec moi, nous avons fait il y a quelques temps une 2-3 parties en division et première partie on était tous les deux dans le ARP High, qui sont deux gros bonbons roses avec des cachous de 356 mm. Regardez bien. Alors voilà, je suis ici. Et c'est moi là, le gros bonbon rose. Et là, nous avons juste à côté de nous un autre gros bonbon rose. Un autre gros bonbon rose qui est autre que Celticos. Hop, allez, Celticos. Donc on était tous les deux en bataille. Et on était sous micro, mais moi j'ai pas enregistré avec micro, c'était le replay en fait. Donc, et on s'est décidé de prendre tous les deux les deux gros bonbons roses là comme ça. Donc moi je suis parti en premier. Alors on est en bataille épicentre sur la grande course, c'est assez chaud en fait. Et on va appliquer en fait une méthode stratégique qu'on a décidé en fur et à mesure qu'on jouait. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans l'épicentre lui-même, on a décidé de se mettre en ligne de bataille et de faire le tour de l'épicentre en suivant la circonférence. Et de tirer sur tous les ennemis qui se mettent au milieu, donc de se concentrer tous les deux sur les ennemis qui essaieraient de prendre l'épicentre, le centre. Donc voilà, alors je suis sur le RPI, qui est, je rappelle... Forces ennemies détectées. Oui, qui est donc une variation du Congo, avec le camouflage, voilà. Le camouflage de la Arpeggio, de Ars Nova, qui est... un camouflage comme vous pouvez le voir rose avec des lignes blanches discursives. Ah. Ce qui est marrant c'est que dans un replay les canons semblent ne pas être dans la bonne direction quand on est en caméra libre. J'ai touché. Ah ouais, j'aurais dû peut-être faire mon. Voilà, hop, un chargement, viser des canons. Alors derrière moi, il y a mon cher Celticos qui se met en ligne de bataille. Voilà, alors c'est dommage qu'on n'ait pas eu les commentaires au micro, mais bon, c'est pas grave. Ça pour une prochaine fois. Alors, il tire, vous voyez, lui. Viser des canons pour moi. Je vise qui, d'ailleurs? Ah. Je vise le Karlsruhe qui est derrière. Et d'ailleurs, notre ami Celticos l'a bien touché, je pense, à mon avis. Quoi qu'il en soit, je remets en libre. Et au loin apparaissent le Congo et le König ennemi. Et là, mon cher ami Celticos, c'est la cible du Congo. Et du König d'ailleurs, sans doute. Et aussi du Kaiser. Oh, il y a même un Kaiser à 15 km. Donc suivons les... Ah bah, voilà. Il y a quelques obus qui sont rentrés dans la montagne. Donc bravo l'incompétence totale du capitaine StarCat. Pendant ce temps-là, Celticos et le Evil Dead continuent le... Continue à assommer ces pauvres ennemis d'obus. Ah, il est vraiment la cible des ennemis, Celticos. D'ailleurs, il va se mettre un petit peu en retrait. Et moi, je me mets à avancer un peu plus vite pour avoir mes cibles plus vite, parce que sinon, je ne pourrai tirer sur personne. Je me mets en visée des canons, espérons que je vais pouvoir tirer sur quelqu'un cette fois. Oui. Hey! Oh, ben voilà. Je vais le suivre mes obus. Dommage. Je touche quand même, j'afflige 1020 points de dégâts, pas terrible, terrible. Donc je vais quand même rentrer dans la... Non, je vais rester un petit peu en dehors, justement pour pas tirer le feu. Derrière nous, le Celticos continue avec nous et aussi Evil Dead, les deux. On est trois en formation. Faut que je ralentisse un peu, d'ailleurs je ralentis, je pense. Ouais, je ralentis à demi vitesse. Et là, je me mets en visée canon quand même, hein. Allez, hop, allez. Voilà. Et on tire sur le Congo. Espérons le toucher quand même. Oui, ça va. Presque 5000 points de structure de dégâts. C'est bien. Le Phoenix a détruit le Haruna. Donc pour l'instant, notre équipe a quand même perdu son porte-avions. Enfin, un des porte-avions. Donc on est quand même mal parti à la base. Hein. Je sais compter sans les deux boulets roses qui distribuent leurs petits bonbons. Alors, le Celticos a à peu près récupéré, ça va. Pas récupéré. Il est toujours à moitié point structure. Moi, je me mets en visée des canons.
passe au-dessus de l'île là. Non, incompétence, Starcade évidemment, le boulet rose. Eh oui. Le mec qui sait pas faire, enfin le mec. En rose, on sait jamais ce que c'est. Hein. Oh là là. Monsieur Starcade, quelle intolérance. Bon par contre. Hein. Voilà, je suis presque. Voilà, visée des canons. Je suis en visée du Kaiser normalement, c'est ça? Oui. Et normalement je devrais faire feu. Sur le Kaiser ou sur autre chose? Sur le Kaiser. En espérant toucher quelque chose quand même. Ah oui quand même, ça va. Trois coups à la cible. On me tire dessus aussi, le Kaiser n'est pas en reste. Hein. Donc je me suis mis en pointe pour que ces obus rebondissent le plus possible sur ma coque. D'ailleurs, ces obus ont rebondi. Je n'ai pris aucun point de structure de dégâts. J'ai ralenti ma vitesse, mais je remets un petit peu de vitesse pour que le Celticos reste pas trop en reste derrière. Donc pour l'instant, on reste toujours en formation extérieure à l'épicentre et on continue le. Hop, allez, viser les canons. Allez. Le Congo, le Kaiser a explosé. Le Congo est sur le. Malheureusement, enfin pour lui, hein, il est sur la ligne de démarcation maximum de la carte. Donc il glisse en fait sur la carte. Sachant que là, il glisse pas trop parce qu'en fait, il est complètement orienté nord. Donc, oui, ton équipe est épique. Pour l'instant, on mène un peu l'avantage. Un peu l'avantage seulement, on n'a qu'un navire de différence de détruit. Allez hop, viser les canons. Normalement, je manque pas mal là quand même. Hein. Je sais pas si je touche vraiment. Ah si! Une petite citadelle là. Une petite citadelle quand même. Ah, tant pis à bâbord, mais c'est bon. Elles sont arrivées au bout de leur endurance. Le Celtico c'est derrière moi. À 4 km. Donc on est toujours en ligne de bataille avec le Kaiser qui est aussi à côté de nous. Donc en fait, on mène la vie dure aux ennemis. Et puis le Kaiser qui est devant moi qui lui aussi. Voilà. Mène la vie dure aux autres. Et je pense que là, c'est. Ah, c'est Iso Kaze qui a détruit son propre ami. Ah voilà un autre boulet, un boulet Iso Kaze. Voilà. À part les boulets roses, il y a aussi les boulets Iso Kaze. Il a détruit avec des torpilles son propre navire. Ça doit fulminer sur le. Bon, je manque le Iso Kaze, mais c'est pas grave. Ça doit fulminer sur le canal ennemi. Hein. Oh là 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 là. Voilà, no support, good game team. Ah non mais le Iso Kaze là, je sais pas ce qu'il a fait mais il a voulu détruire son copain. Il voulait viser le Kaiser peut-être devant moi, je sais pas. Alors, on a un Aruna en plus avec nous. Ah ouais, on a un Aruna au-dessus. Gus 29. Donc, je sais pas où il est. Il est de l'autre côté je pense. Ouais. 21 km de là. Torpille à midi. Torpille à midi. Ah oui, bon, ça c'est le midi Kaze qui essaie de se rattraper mais. Ah, peut-être qu'il va avoir le Kaiser, je ne me souviens plus en fait. Torpille à midi. C'est bon. Torpille droit devant. Alors je rappelle qu'on est en rang 5 hein, à la base. Sinon, l'RPI, c'est-à-dire Celticos, il va entrer dans l'épicentre hein, maintenant. Je pense que c'est bon, hein, on n'est plus que. Oh, bien. Ils ont plus que deux porte-avions, un croiseur, un destroyer, et nous on a toute notre force de frappe cuirassée, donc bon, je pense que c'est bon. On peut entrer dans l'épicentre et commencer à capturer. Et là, Celtico, c'est moi, on est parti. C'est que les replays, on peut toucher les boutons, on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est marrant. Par contre, ça marche pas le T. Hein. Ça marche, on peut appuyer, mais ça fait pas de. Ça ne fait pas l'effet. Alors, on va se remettre en visée les canons quand même. Au cas où il faudrait tirer. Parce que là, il y a le Svetlana là. Je sais pas s'il est vraiment. Ah bah d'accord, il est mort. Donc, il n'y a plus que le Iso Kaze. Celui qui aime détruire ses amis. Donc les deux boulets roses n'ont pas été si boulets que ça. D'ailleurs, j'ai pris aucun dégât. Je sais pas si vous avez vu, mais je n'ai pris aucun dégât. Le boulet rose n'a pas tiré l'attention pour une fois. Bon, il y a la Celticos qui a commencé à. Qui va capturer le. Oh, j'ai tiré. C'est bah oui, sur le porte-avions, évidemment. Le petit Langlais. Je pense que je vais le manquer malgré tout. J'ai tiré trop en avant. Oui. Un petit peu trop en arrière, d'ailleurs, pas en avant. Bon, bah je commence à capturer aussi moi. Je suis au maximum de vitesse, 30 nœuds, 1. Pas d'aider au centre, oui, bah de toute façon, il n'y a plus qu'un porte-avions. En fait, c'est fini. Notre équipe a pris l'avantage.
C'est fini, hein, y a plus qu'à espérer que pour le porte-avions qu'on le détruise pas, mais à mon avis, là, 18 minutes 32 de la fin, il est fini. Donc la leçon, c'est que les bonbons, les gros bonbons roses sont restés en formation, sont restés l'un près de l'autre. Ils ont visé les mêmes cibles, particulièrement au début. Et c'est bien parce qu'on se protège l'un l'autre, c'est très très bien. Celtico s'est juste arrêté, je pense. Il reste en... Ouais, il s'est arrêté pour pouvoir tirer sur le porte-avions en fait. Allez, viser les canons. On va pouvoir tirer sur le Zuio pour le détruire, hein, enfin pour en faire quelques dégâts avant que les autres s'amusent à le détruire. Je crois que c'est Celticos qui va le détruire d'ailleurs. Oh, j'ai les torpilleurs qui viennent sur moi. Non, ils vont sur le Kaiser, je pense. Ils vont sur le Kaiser, à grande chance, ouais. Allez. Allez, fais feu, visez des canons, c'est bon là. On va voir si je touche. Les 8. Qui arrive là, c'est ce Celticos. Donc j'ai touché, mais pas grand chose. Et je pense que les boulets qui. Enfin, les boulets. Les boulets roses, oui. Les obus. Les petits obus, les petits bonbons qu'on distribue, nous. De toute façon, il va exploser, je pense, là avant le. Mais je pense que d'ailleurs, c'est Celticos qui va le détruire. Non. Non, c'est un destroyer. Celticos lui a mis une jolie. Lui a mis une jolie citadelle. Bon ben, c'était donc tout pour cette petite bataille. Je vous retrouve pour une prochaine marrante. Allez, ciao ciao.